conseil arcturien. Éviter le contournement spirituel et recevoir l'amour des arcturiens. Nous vous envoyons notre amour à travers cette transmission et nous vous invitons à le ressentir. Si vous pouvez ressentir notre transmission d'amour, alors vous pourrez en ressentir davantage dans tous les aspects de votre vie. Si vous vous autorisez à ressentir davantage et à penser moins, vous serez plus en phase avec l'univers. Vous serez davantage dans le flux des énergies présentes. Vous serez moins pris au dépourvu lorsque des événements se produiront dans votre vie parce que vous les aurez sentis venir. Plus important encore, vous serez en mesure de rectifier le tir grâce à la conscience que vous aurez de ces sentiments et de ces énergies. Il y a des énergies infusées dans tout ce qui vous est donné dans votre vie et vous pouvez choisir, en fonction de ce que vous ressentez, de participer ou d'accepter ce qui vous est donné comme étant vrai. Lorsque vous opérez au niveau de l'esprit, vous vous rendez souvent compte que vous êtes confus, incertain et enclin à vous remettre en question. Par conséquent, lorsque quelqu'un d'autre, qui est également orienté vers le mental, se présente et vous dit avec un grand degré de certitude qu'il sait ce qui est vrai et qu'il détient la seule version de la vérité qui compte, vous l'écoutez. Vous êtes plus attentif parce que cette personne ne tient pas compte de ses sentiments, mais elle est plus convaincue que vous de ce qu'elle pense. Ainsi, votre façon de penser peut être influencée par la certitude de quelqu'un d'autre. Alors que vous ne voulez que votre pensée soit influencée par ce que vous ressentez. C'est pourquoi il est si important d'entrer en contact avec vos sentiments, les énergies qui vous entourent et l'énergie que dégage une autre personne. Dans la conviction de la personne, il peut y avoir de la colère, de la peur ou de la tristesse dans ce qu'elle dit, et c'est la sienne, et elle n'est pas résolue. Mais là encore, elle est coupée de ses sentiments, et ne se rend donc pas compte que ce qu'elle diffuse n'est pas la vérité, mais la peur. Et encore une fois, parce que l'auditeur est coupé de ce qu'il ressent, et n'est pas sûr de ce qu'il pense, il est susceptible de suivre le professeur le plus bruyant, la personnalité la plus bruyante de YouTube. Et ce n'est pas ainsi que vous voulez vivre votre vie et créer votre réalité. Vous voulez utiliser vos sentiments pour vous guider et vos sentiments pour vous dire si vous voulez plus de ce qui vous est présenté. Accordez-vous donc à l'amour arcturien qui vous est envoyé en ce moment et permettez-vous aussi de traiter votre propre peur, votre tristesse et votre colère lorsqu'elles se présentent à vous. En général, il y a des choses que vous pouvez faire, manger, regarder, écouter ou lire pour éviter ces sentiments qui surgissent en vous. Mais en réalité, vous ne faites que les repousser. Lorsque vous vous engagez dans ces activités, ces stratégies de contournement. Mais vous n'êtes pas là pour vous engager dans un contournement spirituel. Vous êtes là pour devenir plus sensible aux énergies afin de pouvoir choisir judicieusement celles avec lesquelles vous voulez jouer, que vous voulez ressentir et avec lesquelles vous voulez créer en allant de l'avant dans votre vie. C'est ainsi que vous créerez instantanément dans la cinquième dimension. Et c'est donc une bonne pratique pour vous, ici et maintenant. Nous sommes le Conseil des Arcturiens et nous avons apprécié de nous connecter avec vous. Merci de partager au plus grand nombre.